Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Christine Arquias, la directrice du CRIJ PACA, donc le CRIJ qui vous accueille aujourd'hui pour cette journée technique. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir sur ce thème en particulier, celui de l'occupation du sol, parce que c'est un thème qui est emblématique pour notre structure, pour le CRIJ et pour notre région aussi, et ce à plusieurs titres. Tout d'abord parce que le territoire de la région PACA a été en France le premier territoire, l'un des premiers territoires couverts dès 1988, c'est-à-dire il y a 30 ans aujourd'hui, par un inventaire biophysique de l'occupation des terres. C'est-à-dire la déclinaison en région du programme européen Corine Land Cover, Corine pour coordination de l'information sur l'environnement. Donc cette base de données, en 1988, était déjà gratuite et ouverte, enfin à peu près, bien avant l'application et la promulgation de la directive INSPIRE et bien avant la loi sur la République numérique. Alors, juste pour mémoire, Corine Land Cover en 88, le fichier régional, c'était une unité minimale de collecte pour les spécialistes de 25 hectares et donc une utilisation au 100 000e du fichier de 1988. Alors, cette journée, ce thème, il est important pour nous aussi pour une autre raison, parce que le contenu informationnel de cette base de données et sa facilité d'accès à l'époque où alimenter un SIG en données n'était pas une mince affaire, hein, parce que les données étaient très coûteuses, c'était même un problème. Donc le fait que cette base de données soit gratuite, ouverte et largement réutilisable a favorisé dans notre région l'émergence d'une communauté d'utilisateurs qui étaient en recherche d'un interlocuteur technique en capacité de leur apporter à la fois un appui technique, encore une fois, et aussi la possibilité de partager leurs expériences de réutilisation. Et donc, c'est au sein de ce qui n'était pas encore le CRIJ, hein, au début des années 90, puisque le CRIJ a été créé en 2002, que cet appui technique et que la possibilité de partager ces expériences a pu leur être apporté. C'est comme ça que s'est constitué un premier cercle d'usagers, donc dans les années 90. Et ce sont ces acteurs, dont une partie sont présents dans la salle, qui ont fait émerger le besoin d'actualiser la base de données de 1988, ce qui a conduit l'État, et à l'époque la Direction régionale de l'équipement, qui est aujourd'hui, qui a changé de nom, comme le ministère de l'écologie, je vois qu'il y a des gens qui sont des historiques de l'équipement, et donc j'en fais partie. Et donc c'est donc la DRE PACA, à l'époque, qui a lancé un marché pour actualiser Corine Land Cover 1988. Ce marché a été lancé en 1999. Donc on a disposé en 1999 d'un second millésime de la base de données Corine Land Cover en région PACA. Alors ensuite, le fait qu'une communauté d'utilisateurs se soit formée autour de l'occupation du sol, le fait qu'on ait une actualisation de cette base de données, eh bien, a permis d'élargir le cercle de ces utilisateurs. Et ces utilisateurs, ils sont aussi devenus prescripteurs. Et donc, cette communauté s'est élargie en même temps que l'usage des SIG et en même temps que la résolution des données produites par les satellites. Hein, donc, on a eu deux nouvelles données satellitaires. Et en même temps également que les méthodes de traitement d'images. Donc toutes ces évolutions ont permis d'aller vers la création de bases de données plus précises. Et donc cette communauté d'utilisateurs, qui était essentiellement d'échelon régional au départ, a été s'est agrandie avec des utilisateurs plus locaux, donc avec des départements et avec des EPCI. Tous ces acteurs ont, à partir de la base de données régionale, commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire de ce type de données si on gagnait en précision et si, évidemment, on pouvait ouvrir les possibilités de l'utiliser à d'autres thèmes que l'environnement, qui étaient plutôt les thèmes de prédilection qui avaient conduit à produire Corine Land Cover initialement.
Donc un autre tournant a été pris en 2006 avec une nouvelle actualisation de la base régionale, donc 88, 99, 2006. Mais cette actualisation, elle a été assortie d'un travail collaboratif de production d'une nomenclature plus détaillée, puisque les acteurs qui avaient besoin des données n'étaient plus que des acteurs régionaux, mais étaient des acteurs très locaux. Et donc, ce travail collaboratif a été conduit dans le cadre d'un groupe de travail au sein du CRIJ qui existait donc depuis 2002, depuis quelques années, et a permis de produire une nomenclature locale dérivée de la nomenclature européenne, Corinne. Et donc, ce n'est pas seulement une nomenclature PACA, c'était une nomenclature méditerranéenne, puisqu'en 2006, on a donc produit, sur la base de cette nomenclature co-construite avec les acteurs locaux, une nouvelle occupation du sol méditerranéenne en lançant un marché avec nos collègues de la région Languedoc-Roussillon, aujourd'hui intégrée dans la grande région Occitanie. Donc, ce travail a permis d'avoir un nouveau produit, mieux adapté aux besoins, de renforcer encore la cohésion du groupe de travail de réutilisateurs, de prescripteurs de l'occupation du sol, et évidemment de développer les usages, de nouveaux usages, et de développer un partage d'expérience autour de ces usages. Donc ce travail d'Occ-sol régional sur une base affinée, précisée, a été reconduit en 2014 et donc on vous parlera aujourd'hui du nouveau fichier 2014. Une dernière étape enfin, qui fera l'objet d'un focus cet après-midi, avec la relance de la planification à l'échelon des EPCI et notamment la mise en place des SCOT, l'occupation du sol régional a nécessité d'être encore reprécisé. Et donc, le travail engagé par la communauté des utilisateurs de notre région a travaillé à préciser encore la nomenclature et à construire ce qu'on appelle aujourd'hui une nomenclature MOS, mode d'occupation du sol, qui permet d'avoir un produit sur lequel on a encore gagné en précision et en modalité d'usage. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, ça fait un peu ancien combattant, ce que je vous raconte, hein, puisque là, c'est un historique de 30 ans. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir, finalement, de tous ces projets? Ben, c'est qu'on a en PACA un recul de 30 ans sur l'occupation du sol régional. Puisque, bien entendu, ces occupations du sol millésimées, eh bien, on a réalisé des produits d'évolution. Et donc, on a une vision, on a un recul, encore une fois, d'une trentaine d'années sur l'évolution de l'occupation du sol en PACA, et ce, depuis plus récemment, à plusieurs échelles. Il faut retenir aussi la mise en place d'une communauté pérenne, hein, puisque vous êtes là, et dynamique d'acteurs qui sont à la fois usagers, mais prescripteurs. Hein. On est dans une logique de travail participatif et collaboratif. Il faut retenir le développement de méthodologies, le développement d'indicateurs, le développement d'outils de réutilisation de ces données pour répondre à des attentes qui sont très diverses et très variées. Donc ça peut être des attentes réglementaires, ça peut être des attentes en matière d'observation, en matière d'évaluation, en matière de prospective. Et donc, C'est un volet que vous verrez dans la journée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés autour de ces occupations du sol pour les mettre en valeur et pour répondre à tous ces objectifs. Et enfin, pour le CRIJ en particulier, ça a permis chez nous de développer une expertise sur le sujet de la télédétection satellitaire et de la photo-interprétation dans le domaine de l'occupation du sol. Ça a permis de renforcer nos compétences sur ce sujet et de disposer finalement d'une compétence qui est reconnue à l'échelon national, hein, puisqu'on est assez moteur dans les groupes de travail nationaux qui travaillent sur ces sujets, reconnue à l'échelon européen aussi, puisqu'on peut porter cette expérience avec les collègues européens. Et cette expérience, on va s'attacher à la valoriser, mais on y reviendra plus tard dans les mois et les années qui viennent. Donc avant de laisser la parole aux intervenants qui ont accepté de travailler avec nous et de vous présenter leurs travaux à cette journée, donc je vais tous les citer. Donc la société TTI, la SAFER PACA, la DRAF, la Chambre d'agriculture de Vaucluse, l'IRSN, la région, l'Agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise, la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, l'Agence régionale pour l'environnement et le conseil départemental de Vaucluse. J'espère que j'en ai pas oublié.
Donc, avant de laisser la parole aux intervenants, que je remercie encore une fois donc, d'avoir accepté de présenter leur retour d'expérience, après avoir remercié mon équipe, et tout particulièrement Claire Ajou, notre chef de projet Occupation du sol, pour l'organisation de cette journée, je vais demander à Mathieu de baisser un petit peu les lumières. Je vais vous proposer de concentrer votre attention sur l'écran. Et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'occupation du sol régional, voilà, bah c'est maintenant. La dernière version de la base de données OCSOL est disponible en licence ouverte sur le site du CRIJ depuis le début de l'année 2017. Reconnue comme donnée de référence par l'ensemble des acteurs de l'aménagement, elle est l'une des données les plus téléchargées sur le géoportail régional. La BD OCSOL PACA, couverture cartographique décrivant l'occupation des surfaces du sol de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est produite par le CRIJ PACA depuis plus de 10 ans. À la suite de la première version du référentiel européen, le fichier Corinne Landcover, le CRIJ a souhaité doter les territoires régionaux d'une cartographie plus précise et plus adaptée aux spécificités géographiques et méditerranéennes de notre région. Ce projet régional émane d'une démarche collaborative qui s'appuie sur la participation technique et financière de plusieurs partenaires institutionnels qui sont la région PACA, l'ADREAL, l'Entente, l'IRSN, l'IGN et la DRAF PACA. Le produit BD OCSOL, ainsi réalisé en PACA, offre une vue du sol par le haut des grandes typologiques d'espaces qui se dessinent sur le territoire régional à une date donnée. Cette BD OCSOL s'organise en 5 grandes entrées thématiques que sont les zones urbaines et artificialisées, les grands secteurs agricoles, les surfaces en eau jusqu'à la délimitation des espaces forestiers et naturels qui constituent près de 70% de la composition des sols de la région PACA. Directement dérivé du référentiel Corinne Landcover, sa nomenclature offre 3 niveaux de lecture, synthétique et lisible par tous. Déclinée en 46 classes, elle intègre dès les premières indexations les spécificités propres à la région PACA. Lavande, oliveraie, rizière, mer, haute montagne. Instrument majeur pour l'observation et le suivi des territoires, elle constitue un socle de connaissances indispensable à l'étude et à l'analyse des évolutions et du développement des territoires régionaux dans le temps. Les premiers usages qu'on avait pour l'occupation des sols, avant de faire des usages un petit peu plus larges à l'échelle régionale, on l'utilisait à des vertus pédagogiques pour les élus, pour les sensibiliser sur la proportion d'espaces agricoles, naturels, urbains, qui étaient présents sur leur commune. C'est important pour nous, sur la surveillance du territoire, de savoir où se situe de la vigne, où se situe de l'arboriculture, où se situe de la lavande. Au fil de ces 3 millésimes, la BD OCSOL a su profiter des derniers progrès technologiques et bénéficier d'images toujours plus précises pour un produit final toujours plus efficient. Pour la réalisation de cette cartographie régionale portant sur un vaste territoire qui est l'intégralité de la région, dont 31 400 km², le choix technique s'est porté sur l'utilisation d'images satellitaires. Le satellite a quand même pas mal évolué, on en a beaucoup plus. Donc là où on avait très peu d'images il y a encore quelques années, on peut avoir des couvertures relativement importantes sur des grandes surfaces comme en l'occurrence la région PACA. Là où avant on était quand même plus limité, notamment si on considère les résolutions de l'ordre de 5 à 10 mètres. Pour cette nouvelle version, nous avons pu disposer gracieusement d'images satellites de meilleure résolution issues des satellites SPOT mises à disposition par le programme GeoSud, venant en complément des images du satellite américain Landsat 8. Pour la base de données 2014, on a utilisé du SPOT 6 avec une résolution de 6 mètres. Sur les bandes les plus éloignées, les bandes infrarouges, c'est surtout au niveau de la végétation qu'on va avoir un gain d'information.
Dérivée des images satellites, la production de la BD Oxol est principalement opérée à partir des techniques de télédétection. Cela consiste à interroger les différentes bandes spectrales visibles et infrarouges pour réaliser une première série de classifications automatiques déterminant les grandes catégories d'occupation du sol. Au niveau de la classification, le logiciel il va essayer de retrouver en fait des pixels homogènes, c'est-à-dire qui ont la même radiométrie dans toutes les bandes spectrales qu'on a utilisées, et de les classer dans différentes classes avec un taux de confusion le plus faible possible. Le logiciel n'invente pas d'informations. L'information a été là depuis le début, mais simplement notre œil n'arrivait pas à dissocier l'information lorsque l'histogramme était affiché dans son entièreté. En combinant lors de la classification toutes ces bandes, on a des résultats bien meilleurs qu'avec une image BD ortho qui, elle, ne comporte que trois bandes spectrales. La classification d'images permet d'avoir à la fois un gain de temps, de productivité, par rapport à une solution tout photo-interprétation. Couplée aux traitements automatisés, cette nouvelle occupation du sol régional a bénéficié d'une multitude de sources de données. L'exploitation de ces données, BD Topo, Cadastre, BD Forêt, RPG, ont permis en entrée de processus de guider et d'enrichir l'analyse faite à partir des images satellites ainsi que d'éliminer certaines confusions. La première phase en fait, de production de la donnée était d'isoler toutes les parties dont on sait qu'on va avoir des difficultés à les sortir avec de la classification. Donc toutes ces classes en fait, correspondent à toute la partie urbaine. Les parties qui sont trop fines pour être sorties avec de la classification, le réseau hydro, le réseau routier. Compatible avec les précédentes versions, cette nouvelle cartographie permet aujourd'hui de réaliser une rétrospective sur plus de 20 ans de l'évolution du territoire régional. Pour nous, c'est intéressant que la carte 2006 ait été mise à jour parce que notre base de l'IPNAF, on arrive à la calculer à partir de ce qui s'est passé en 2007 en termes de marché foncier. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir comparer le marché foncier à partir de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Identifiée comme information de référence en région et pionnière au niveau national, elle est depuis longtemps largement utilisée et intégrée dans le cadre de plusieurs travaux ainsi que valorisée dans différentes publications. La donnée d'occupation du sol 2014 nous permet en fait d'avoir un diagnostic sur les politiques publiques qui ont été conduites dans le cadre du précédent contrat État-région, donc 2007-2013. Données dynamiques, elle constitue l'un des principaux outils de suivi dans le temps des grands projets d'aménagement, d'extension ou de création de zones urbaines et d'infrastructures routières, ainsi que des grandes zones de mutation foncière. Pouvant être croisées avec d'autres informations, ces cartographies sont également des données d'entrée pour des études et applications métiers pour l'urbanisme, l'agriculture, la biodiversité ou les risques, et pour la mise en place de programmes opérationnels. La donnée relative à l'occupation du sol est une donnée essentielle pour les services de la DRAF. C'est une donnée complémentaire à l'information statistique traditionnelle dont on dispose, qui nous permet en fait de compléter la connaissance des territoires. Ça nous permet également d'avoir un suivi dans le cadre de la surveillance sanitaire du territoire, dans le cadre des contrôles qui peut être fait par les services. L'Oxol vient également en aide à l'évaluation et à l'élaboration de politiques publiques. Nous devons caractériser chaque site selon ses caractéristiques locales spécifiques. L'occupation du sol en est une. C'était dans le cadre des études qui nous sont commandées dans les volets agricoles des plans locaux d'urbanisme. On nous confie des missions de mesure de l'évolution du sol, notamment par une commission qui s'appelle la CDPNAF. Pour le fonctionnement normal ou accidentel des centrales nucléaires, l'IRSN réalise des études environnementales. Le but est de quantifier les différents transferts de radioactivité dans les différents écosystèmes concernés. L'objectif final est de quantifier un impact sanitaire aux populations et à l'environnement. Ainsi, par son caractère à la fois transversal et temporel, la cartographie BD Oxol est identifiée comme une information de référence et un outil indispensable à maintenir pour toujours mieux répondre à la communauté des usagers en région. En région PACA, on n'a pas d'autres produits d'occupation des sols, si ce n'est des produits moins précis avec la base Corinne Landcover. L'Oxol 2006 nous intéresse. La 2014, on attendait patiemment. Et c'est sûr qu'il nous faudra celle de dans 6 ans. Pas plus loin.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je voulais encore remercier en tout cas les personnes qui ont accepté d'apporter leur témoignage. Donc ce petit film, il venait effectivement introduire et rappeler un petit peu les spécificités de ce produit Medeoxol, hein, donc que vous a présenté aussi, dont Christine vous a présenté la genèse tout à l'heure. Et il vient également introduire le programme de cette matinée, hein, puisque la plupart des gens que vous avez vus apparaître dans la petite vidéo vont vous préciser les cas d'utilisation justement qui sont réalisés et qui existent donc au sein de leur structure. Donc du coup cette matinée, afin de justement un peu compléter donc les informations techniques, vous préciser un peu les spécificités justement de cette dernière version de la base données d'occupation 2014. Donc j'ai invité Monsieur Loi, donc de TTI Productions, qui est la société qui a réalisé la mise à jour cette dernière version, va vous faire un exposé. Alors un peu plus, on va dire, approfondi et un peu plus, va falloir un peu plus s'accrocher. Donc justement, donc des détails, de l'ensemble des détails techniques et méthodologiques qui ont été mis en œuvre et choisis pour la réalisation de cette dernière version. Ensuite, donc on passera plus sur effectivement des retours d'expérience où là, donc Gaël de Ranchin de la SAFER PACA que vous avez vu apparaître dans le film vous exposera plus en détail également effectivement les utilisations qu'ils ont de cette base au sein de leur service. Il sera suivi de Guy Michel de la DRAF PACA qui est également aussi qui est intervenu dans le film, donc qui lui vous précisera donc en quoi la donnée d'occupation du sol était vraiment un support effectivement d'aide à la décision dans le cadre d'une étude donc plus phytosanitaire. Donc on vous fera un petit temps de pause, donc n'hésitez pas, ce temps de pause, on pourra également un petit avant, donc avoir un temps d'échange si vous avez des questions par rapport à tout ce qui vous aura été présenté. Et ensuite, donc avant la pause déjeuner, donc on vous propose deux dernières interventions. Donc une intervention de Philippe Rollet de la Chambre départementale d'agriculture en Vaucluse, qui lui donc vous présentera le démarrage effectivement et les premiers travaux réalisés à partir d'occupation du sol dans le cadre d'un projet territorial sur le Haut-Provence rhodanienne. J'en dis pas plus, il vous expliquera de quoi il s'agit. Et ensuite, donc Jean-Michel qui terminera cette matinée en vous précisant aussi en quoi l'occupation du sol peut servir également donc à mieux gérer et à mieux appréhender et anticiper donc une crise nucléaire.